MacGyver Prince, je dois le voir. Et vite, j'ai les grelots qui grelottent. Bon, c'est d'accord. Mais essuyez-vous les pieds. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang ? Je vous présente son excellence, le Yeti Lama. Ah, namasté, général. Oui, la guerre a dégénéré. Le monde entier est à feu et à sang. Avant, je déteste la paix. Maintenant, elle m'attire comme un rocher coco. Oh, mon fils, je constate ta souffrance. On a eu quelques petits désaccords, je sais, mais tu peux m'aider, Lama. Si tu me demandes d'amener la paix dans le monde, la réponse est non. Mais je peux utiliser la force. Ulan-Yu, c'est juste une grosse boule de neige qui tombe. Hein. Et un donc, gros bonhomme de neige. Dernier épisode, je crois. Dernier épisode, dernière campagne. Alors, on est rendu l'excellence, son excellence Gary. Et là, il y a un temple de Von et un barrage dans la même mission. Exact. Bon. Le temple de Von va rester notre objectif principal, si possible. Et on joue en premier. On est toujours premier, exact. Donc, les médailles. Alors, faut juste capturer une capitale ennemie pour avoir le monnaie initiale. On oublie que si on signe notre but est encore une fois de faire une domination totale, on va pouvoir choisir quelle mission nous intéresse par contre. Carte bonus est toujours agréable. Temple de Von, je sais que c'est pas trop difficile. Parce qu'on est déjà un pied dessus, exact. Pour les trois cryptes. Très facile. 17 tours, un tour très difficile et peu pertinent. Récolter 12 minerais, ça c'est cool. Wow. Très difficile par contre, surtout qu'on est vraiment loin. On a juste une unité. On a une seule unité, on a peu de force de ce côté-là. Il y a une capitale ennemie. Je pense que pour une fois, on va devoir se passer d'unité de défense en fait. Contrôler 26 territoires, ça donne 2 régiments. Et 3 continents. Si on se dit ce coin-là, ça se fait. Ça, puis l'autre côté, c'est combien déjà, excuse-moi? C'est quoi que ça va être? 26 et haut. Ça va être vers la fin de la partie. Ouais, c'est dommage parce que ça, c'est bon, surtout au début. Par la fin, ça paraît moins. Quand tu réduis à 26 territoires, de toute façon, nous en mettons plus, ça fait pas un impact si important. On n'est pas chanceux côté mission cette fois-ci. Éliminerait, ça serait extrêmement difficile. Faudrait mettre tout. Si vous remarquez en plus, présentement. Ouais, exact, il y en a un qui a le contrôle. Par contre, s'il accepte de flusher, c'est surtout lui qui va endommager parce que c'est lui qui a 4 armées sur sa capitale. C'est un ordinateur. Bon. C'est un ordinateur, exactement, ça peut être un tout. Moi, j'irais contrôler. Mais exact. Ouais, mettre tout dessus puis retraiter sur cette frontière-là, c'est pas un très bon premier tour qu'on pourrait faire. Allons-y. On va voir ce que les autres vont faire par dessus. Nous sommes des Yetis. 4 contre 4. Hein. 5 contre 2. Bon. Un petit glaçon dans la gorge. Ça fait pas du bien. Non, c'est jamais. Jamais assez. Je parle pas encore de glaçon sur le coup. Dans Die Hard 2, on a un glaçon dans un œil par contre. Excellent. On a juste perdu une, c'est pas si mal. Et là, on retraite un peu. Un petit peu, on va retraiter, mais pas au complet, parce qu'on a deux territoires à défendre. Non, mais t'as un rouge par contre à côté. Faudrait vraiment splitter nos troupes. J'irais 4 sur la capitale, 3 à côté. On a un 2. Oui, mais encore une fois, un gris à côté est connecté également. Personnellement, j'éviterais la prudence, puis je sais pas après ça. 3-3. Ben, c'est à peu près 3-3, t'as 7 unités au total, 3-3-4. J'aurais défendu la capitale avec un plus. En plus là, c'est très peu... C'est peu probable qu'il attaque là, de toute façon. Hein. Alors, ouais. C'était un bon premier tour. Vous allez rentrer dans le top. Ouais, on sait ça. Après, on aurait souffert de la guerre. C'est la guerre, Alex, là. C'est des vies en jeu. Oh, wow. Oh. OK. Ben, lui, il va aller chercher un autre continent, c'est correct. On comprend ça.
Faut pas, par exemple, qu'il est en position pour avoir deux continents. C'est deux ou trois qu'il faut? Trois. Trois. Okay. Les cryptes, c'est une autre mission qui nous intéresse pas vraiment. Par contre, il y en a déjà deux. Il va falloir la surveiller. Mike Gutterpain. Où est-ce qu'il s'en va avec ces armées-là? Loin de nous. Ah, il s'en va en haut, sûrement. Ce continent-là est généralement celui qui est le plus visé. Parce que c'est un continent à deux territoires qui a un seul... Il y avait déjà deux étoiles en partant. Oui, parce qu'il était plus bas dans la... Hey, c'est le nôtre qui vient de nous enlever. Non, nous autres, on est plus. Ah non, c'est le... Excusez. Ouais, c'est dur, hein, parce qu'à chaque... Oh, on change d'équipe à chaque fois. OK, parce que c'est un territoire qui était à 1, c'est pas étonnant qu'il soit pas resté en place. Ah, oh. OK. Ça, c'est vraiment une décision ridiculement stupide. Parce qu'il a encore une fois pas encore eu contrôle. Ah, par contre, il vise les minerais. De toute évidence. Ouais, c'est des minerais. Mais on va regarder notre 2 longtemps. C'est un petit continent qui serait facile à prendre, ça. Le contrôle gauche du dame, ouais. On pourrait. C'est juste. Ça dépend. Mais les deux, en fait. Si vraiment ton objectif est d'aller chercher les minerais, ah. Oh voilà, il a décidé de se rincer. Ben, il rince autant que. Le rouge, j'en ai perdu. Le vert aussi, on a perdu. En fait, le rouge, on a perdu plus que lui. Ouais. Ça lui fait quand même très mal. Ah. Ah. Il va tout rechercher après. C'est une décision qui se défend. Je suis convaincu qu'il n'a pas fait ça pour ça. Je pense qu'ils ont tendance à l'activer automatiquement pour aucune raison. Il voulait les minéraux lui aussi. Mais oui, effectivement, ça serait une idée. D'aller prendre un côté. T'as la partie 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, non, ça c'est vrai. Très facile à les chercher, ça enlève une crypte au jaune en même temps. À partir du 4, en fait. Oui, à partir de notre 4, on a déjà le 2 en dessous. Mm-hmm. Non, c'est peut-être stratégiquement parlant, c'est plus intelligent de faire ça. Ça, c'est juste. J'aimerais juste pas qu'on perde le 2. Le garder plus longtemps. On veut surtout pas qu'un ordinateur ait été défendu. Ça, y a pas de doute. Ouais, descendre avec ce 10-là pour les premiers continents, c'est quand même. Très bonne option. Une petite carte avec ça. Donne-moi ta carte! Merci. Prochain tour, on pourrait même aller prendre l'autre en dessous. On a déjà une certaine position dessus. Ça va nous donner une excellente posture pour aller prendre le temple. Ça s'est vraiment bien passé. Là, il faut juste faire attention, le 2 jaune connecté aussi. Exact. Donc, on arrête là. Arrêter là, soit on arrête là, soit on prend le 2 jaune. Mais c'est vraiment plus safe d'arrêter là. Parce que. Exactement. On sait pas combien on va en faire. C'est juste pas parce que ça donne un continent. Ça lui donne un continent et sa capitale. Enlever son 2 et sa capitale, ça enlèverait beaucoup d'armées, beaucoup de sa force de force. Avec un 6. C'est tentant quand même. C'est tentant avec un 6. Ah ouais. On espère que ça aille bien. Ça a été merveilleusement bien. Ouais, bâti comme 3, ouais, c'est parfait. C'est bon. Je fais même pas de déplacement supplémentaire. Ah ouais, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Dans l'escape, là? Non, j'ai fait. Ok, je suis pas bon pour toi. Bon. Écoute, ça va être plus dur à lui à reprendre. Ouais, et le. Ben, oh, le vert, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Ouais, c'est ça. Le vert, mais on peut faire un déplacement. Est-ce qu'on a de quoi? Non, je pense pas qu'il y a. Oui, je peux le ramener là, si on veut. Parce que moi, j'aurais peur que le jaune déferle la fureur sur nous et qu'il nous tue notre cap. Ça nous enlèverait beaucoup de nos armées dans ce coin-là. Oups. Ah oui? T'es en forme? Ouais. Nous deux, c'est ça, comme ça. Moi, je prendrais la carte, je prendrais même pas la manœuvre. Ouais. On s'en sert pas souvent. Oh! Ah, voilà. Ça valait la peine. On a je sais pas si c'est comme un deck de cartes, mais on l'a peut-être enlevé justement de nos adversaires en faisant ça. Bon, voilà. 5 contre 3, faudrait être chanceux. Ça serait. Ah, ça aurait été. Aucune chance. Hein? On y a même pas fait mal. Oui, on y a enlevé une armée. Que... Mais bon, on a perdu 3 par contre. Mais ça y a empêché d'avoir un continent plus. Oui, absolument, on ça y a beaucoup d'unités dans le jeu. Oh, oui. Nous, on n'a pas de temps perdu. On a gagné ce continent en fait, au dernier tour. Ok, lui il va chercher une ville. Il a fermé sa position là. Félicitations. Voilà deux nouveaux territoires en plein milieu qui servent à rien. Sauf que là, c'est d'aller ramasser l'autre continent en dessous, puis après ça. Ouais, pour nous, ouais. À partir du 2, de la crypte du 2, on met tout là. Puis après ça, on va être en bonne position pour prendre le temps de vendre éventuellement. Attends, pas.
qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va peut-être faire mal aux gens. Ils font juste s'échanger ces territoires. C'est quoi, c'est une ville? Ça vaut quoi? Une ville, ça vaut deux, c'est l'équivalent de deux territoires pour le nombre total. Parce que le nombre d'armées que tu fais par toi, c'est ton nombre total de territoires divisé par trois. Les villes valent deux. Pas trop stressé encore. Oh, il échange. Hey, on l'a complètement éliminé de la gauche, en tout cas, c'est il reste rien. C'est une défense, hein, je pense, les villes. Qu'est-ce qu'ils font aller s'échanger ces territoires? Incroyable! Ils ont tout perdu. C'est le vendetta personnel. C'est trop. Amusez-vous, nous, on va aller chercher le temple devant. On s'est chamaillé avec les jambes, nous, mais sinon, eux sont vraiment juste échangés trois territoires inutiles en plein milieu. Incroyable. 14 territoires. Bon. Il va manquer un. Une seule pour celle-là. Si, je pense que c'est exact. Ouais, c'est pas trop payant. L'autre en dessous, va peut-être. Non, pas du tout. Okay. À partir du 2 de la drift, c'est ça? Ouais, ouais, absolument. Ah oui, il sert à rien ce 2 là en plus. Je vais prendre sa capitale en partant. Yes! Exceptionnel! Ouais. Tout va bien. En plus, on, hey, va... on va peut-être être capable on de prendre enlever le temps, rouge là. De là, il ne pourra pas revenir à sa capitale. On va faire vert, rouge, rouge. Sur le temple de vente, puis on va arrêter. Ben, il y a petit 2 verts aussi. Si on est capable, on va le tuer. Moi, j'aurais quasiment fait rouge, vert, 2 verts, puis un. Mais c'est sûr que c'est plus risqué en fait. Oh. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. On commence par faire ce que c'est plus safe. Ça va bien à date, on va pas se mettre la main dans le fourneau pour rien. Oh. Oui, c'est une expression. Bon. Yes. Trois continents, des attaques. Ouais, yes. Voilà. Le plus rouge rouge. Plus un danger. Il reste si en haut, mais ça serait loin. Ouais, non, ça va que ça fasse des troupes suffisantes. Pour... Avec les... Ouais, avec 3, on sera pas capable d'aller tuer son 2, je pense pas. Non, mais. Pour tout, on n'aurait pas ce qu'il faudrait pour le défendre par la suite. Parce que de là à là, pris le ce serait difficile. Un gris caprice, ça. Tantôt, on aura juste à mettre nos pions là. Le 3 sur la crypte à gauche complètement, présentement, ne nous sert à rien. On va sur la crypte. À gauche complètement. Ouais, ouais, ouais. Lui, il connaît rien, tu peux lui défendre. Non, c'est pas vrai, il défend la Catalogne. J'ai rien dit, on l'a ça là. Ah, tout est foutu. Mais tu vois, de prendre ce territoire-là, puis après ça, ça aide beaucoup la défense, on peut mouver ça. Oui, oui, c'est sûr. Comme c'est ici sûr. Aussi, là. C'est sûr que t'as envie de tout repousser ces frontières-là éventuellement. Si tu veux chercher le 3 vert sur la crypte, là, ça plus l'autre jaune en dessous, ça vient de te bloquer constamment complet. Mais bon, on n'est pas encore nécessairement là. Prochain tour, on va aller d'attaque, on va peut-être pouvoir faire des trucs plus intéressants. Le petit fil à deux à côté du verre, on va peut-être pouvoir s'en servir pour compléter les jambes de bonne, puis affirmer nos positions, ça peut être un beau tour, ça. Mm-hmm. Pas de manœuvre à faire. Je pense pas. Mais des d'attaque. Ouais. Merci. Ça, on peut pas passer à côté de ça. Petit à petit, on va gagner. On va gagner. Bon, lui m'énerve. Oh, shit. Fuck. Pourquoi? Ben, parce que, ouais, définitivement, il va même probablement essayer. Soit aller chercher le capitaine du rouge ou le temple, quoi, c'est ça. Oh, s'il vous plaît. Ah, on est pas chanceux. Ça, c'est plate. On n'a rien enlevé. On y a enlevé un encore une fois. Il nous en a tué 4. Ouf. Ah oui, il reste beaucoup de gens sur notre continent. Ouais, hein, 2-4. Ah, il nous a fait mal, le petit jeune, c'est aussi. Il a découvert son temple. Il a laissé ouvert en arrière. Si on voulait, on pourrait aller le ramasser. Ah mon dieu, le verre est en train de se ruiner, essayer de se faire une carte. Il n'en a pas réussi une. Ouais, le verre est en mode. Très très. Là par exemple, le zombie ramasse pas mal de mourir. Ben non, on a juste un à chaque fois. Qu'est-ce que c'est? Bon, pour l'instant, c'est ça. Ok, continue leur guerre. Continue leur guerre. Ben drôle. Peut-être marcher comme ça. On prend le temple devant du coup. Un truc de grâce. Ouais, au pire, le territoire du bas est pas urgent. On a fait ça surtout pour les nuls. Il n'y a aucune entrée par là-bas. Mm-hmm. On l'a wipé de là-bas. Ouh, 7! Ok. Bravo. Le rouge est pas fort non plus. Non, vraiment pas. Ok. C'était leur tour.
On a campé notre position. Il ne fera pas plus de minerais non plus, fait qu'il n'y a pas d'urgence à ce niveau-là. On a 15 territoires. Encore nos deux continents pas payants. Et malheureusement, une seule capitale, parce qu'on nous a pris encore ça. Alors, sur le 2, tu peux en mettre genre 3 ou 4, pas plus. Le reste, j'essaierai d'aller prendre la capitale du rouge avec. On aurait pu mettre là, attaquer, puis revenir nos unités après. Ça en laisserait juste 3 dessus, puis. Parce que si on est là, on est bloqué. Moi, je mettrais tout là. Le 2 rouge, le 2 bleu juste en haut de lui, il est très très faible aussi. Là. Une, mettons, t'en mets une sur l'autre partie de l'île en haut. Sur notre 2 bleu, t'en mets une autre, une troisième. Le reste, ouais, pour avancer sur le jaune peut-être. Prendre la capitale du rouge. On va voir comment ça va. Là. On est meilleur à l'attaque qu'à la défense, ça faut pas oublier maintenant avec les attaques. Ça peut influencer certaines décisions. Des fois, tu te demandes est-ce qu'on joue chicken ou pas. On est mieux de pas être trop chicken avec cet avantage. Comme là, moi, j'attaquerai pas le 4. Non. Je le saisirai. Ah, ok, ben c'est ça. Tu sais, c'est le fun, par exemple. À chaque fois, on n'a pas de 4. Alors, on s'en va. Ben. Parce qu'on peut pas prendre les bédards. Non, je comprends. Le 4, c'est doublement intéressant parce que si on réussit à le prendre, en plus, c'est une troisième crit, si je me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu veux ce que je non, c'est une deuxième crit. Deux, go. Ah, ici, ah, shit. Dommage. Je déplacerai peut-être juste ça, le 3 ici que ça gagne. Ben. Genre, c'est vrai, c'est vrai. Ça dépend, comme je dis, ça dépend si on veut se donner la peine d'aller chercher les minerais. Mm-hmm. Ouais, ok. Oh wow! Bon, bon choix! Bon, où est-ce qu'il s'en va? Ah, oh là là, ça j'avais pas vu venir tantôt. Non, même pas. Il essaie de prendre un continent. C'est merveilleux ça. À droite, à droite, à droite, à droite. Il a enlevé. Il a fait un déplacement initial. Hein? Ah ouais, ben oui, il y a une manœuvre, regarde. On la voit à gauche dans ses missions. Ah, okay. Oh, c'est merveilleux, il nous a tout libéré l'espace, il s'est massacré. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus fort? Ça aurait... Il a enlevé le rouge. Le vert. Le jaune nous a été utile. Le 4 vert, on pourrait le prendre. Non, mais il a remis le jaune. Oui, la capitale jaune peut être plus proche aussi. Hein, non, non, mais il s'est protégé sa capitale. Oui, oui, je sais qu'il y a combien d'unités dessus? 4. Ouais. Sinon, avec le temple de vent, on peut s'amuser aussi à dire « Hey, c'est avec ça qu'on va chercher nos minerais. Mm-hmm. » Ah ouais, tu prends la capitale à 3, tu commences à gratter autour après. Oh, comme ça, c'est pour faire un beau 10, ouais. Tu vas prendre la capitale du vert avec ça. Même pas. Quel idiot! J'aurais aimé ça qu'il fait juste le laisser là. Bon. Ouais, mais. 6. Massacre-toi, mon ami. C'est... Je ne comprends pas cette obsession pour ces territoires centraux. Ils ne servent à. Parce qu'ils valent 2, genre, à cause des deux, c'est ça? Oui, mon dieu, ils n'ont tellement pas de territoire à la base, ça ne change rien pour eux, de toute façon. C'est 12 qui font. Bon, oh, ça va être intéressant. De l'enlever, ça veut dire. On va sûrement retraiter sur des minerais par la suite. Ah, mais il n'y a plus grand chose pour faire des minerais, en tout cas. Il ne fait même pas de mouvement. Bon, il va faire moins de minerais que d'habitude. Capital jaune, je pense, comme Alex dit, c'est. Après ça, nous, avec la capitale du rouge, on peut avancer, finir et conquérir le continent. Ah mon dieu, c'est. Ah oh, ouais, notre position serait vraiment vide. Disons que l'insuccès du jaune nous a vraiment aidé. Il pouvait encore nous menacer un peu. Territoire, tu es à nous. Ça fait mal. Non seulement t'en enlèves 4 à l'ennemi, mais en plus, tu en fais 4. Et en plus, on se fait. On se fait sa capitale en plus, c'est automatique. Les 18 territoires, ben oui. Épouvantable ce que ça vient nous donner, ça. Sinon, c'est vrai que le petit 6 vert après ça, s'il reste là, en haut complètement, il va être tentant. Ben non.
peut-être. On met-tu deux pour être sûr? Trois, quatre. Puis, ouais, il y a juste deux territoires. Ok, c'est parce qu'après il y a le 6. Ouais, non, après ça, c'est quand même une frontière. On pourrait même en fait déplacer ça sur le 1 jaune. Je prends son continent ici. La seule frontière, ça va être ça, le 2. Moi, j'aurais été plus avec le continent jaune en haut. Ah ouais, parce qu'après ça, là, c'est juste ça l'entrée. On n'a plus besoin de protéger rien de ça. Ben, à part ça ici. On peut les placer juste à côté. Ouais. Mais en plus, on va avoir les cryptes. C'est vrai, ça c'est intéressant. Ça peut. S'il nous reste une défense, c'est genre un territoire, ben. Qui vient la jouer avec ça, justement. On n'a même plus besoin d'être nerveux non plus. Tu sais, des fois, on aime ça avoir des territoires loin pour se donner une porte d'accès à certaines zones. Maintenant qu'on peut convertir un territoire, ça n'a plus d'incidence du tout. Voilà. Ok. On n'est pas chez nous. Ça, c'est notre nouvelle frontière de ce côté-là. On vient de libérer. Il y a trois qui servent à rien présentement chez nous. C'est là que des manœuvres supplémentaires deviennent intéressantes, mais bon. Oh. On veut la crypte. On veut la crypte. Excellent. Et voilà. On a la crypte. C'est à la fin du tour. À la fin de notre tour. Et c'est une première romance, c'est ça, de terminer notre défense. C'est vraiment. J'en viens d'éliminer du bas. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Pas tout de suite. Avec juste 5. Hein. On va utiliser un de nos 3 qui sert à rien pour les rapprocher. Un 3 qui sert à quelque chose. C'est vraiment ce qu'on peut faire de plus intelligent. Ouais, lui. Sur le temple, je dirais. Perdre notre continent en haut, c'est plate. Perdre le temple, ce serait vraiment dommage. Si tu gèles le 2 jaune. Là, on se laisse. Non, c'est juste un peu cher. 5-5-5, il peut pas beaucoup. Il peut vraiment mettre tout le monde là. Si on gère ça, il peut plus. Si on veut lui, il faut qu'il passe par en haut sur notre 3. C'est pas vraiment. C'est plus difficile de même, ça y est. C'est même une meilleure idée pour lui en fait de faire ça. Quelle est notre défense la plus faible? Je pense que. Personnellement, je pense que en termes de quantité, si je compte bien, geler son 2 jaunes, c'est probablement ce qui nous aide le plus. Deux jambes tout seul ici? Là. Non, à gauche, en haut. Okay, ouais. Parce que si ça porte sur notre 3-1, sinon faut qu'il prenne son 1 pour attaquer notre 5, au lieu de prendre son 2 pour en tuer 4, faut qu'il passe de 1 pour en tuer 5. Mathématiquement, je pense que c'est notre meilleure défense. Et place pour nous. Ouais, mais on gère quand même une armée de plus là. Alexis vient d'avoir son bébé. Ah, ouais, mon dieu. Si après ça tu veux commencer à travailler pour aller chercher des minéraux, il va falloir que ce soit bien tôt, parce que sinon deux, ça ne sortira jamais. On est tellement en train de dominer, c'est même pas inquiétant. Trop drôle, il va rien faire de son tour. Vraiment trop drôle. C'est bon. Oui. Veux-tu mettre sur son 6? Ah, bon. C'est une chose qu'on a mis ça. Ah ouais. C'est techniquement, c'est quand même ça. Tu passes par le 2. C'est déjà là en haut, tu peux pas prendre le territoire. Non, c'est ça. Avec 4 pour tuer 5, oui. Vas-y, champion. Je t'encourage. Hey, faut choisir quelque chose à capturer. Hein? Comme je t'ai dit, on peut prendre la voie facile, puis juste prendre des territoires avec gros chiffres de notre côté. Ou si tu veux vraiment avoir le dé de défense parce que ce serait drôle, il faudrait commencer à les convertir des territoires là-bas. Un choix. Il y a des boosts, c'est ça. Mais ils servent à rien. Ils sont juste là pour faire comme. On veut tous les deux voir ce continent-là, on fait un statement. Statu quo. Ouais, c'est ça. Oh, ils ont dit à 7. Ouais. Ouais, pour vraiment agir. Sinon on va prendre sa capitale. Puis aller wiper d'un coup ce continent-là. Ah, oh, un autre qui. Qui vient jouer au coquin de l'autre côté. Mais il n'ira pas jouer bien plus loin que ça, je pense.
Non, non, j'ai juste affaibli sa capitale. Il y avait trois ennemis dessus avant. Regarde. Maudit. Où on met tout sur deux? On n'a pas besoin de capturer ça. Le convertible, non, c'est vrai, rendu là, ça vaut quasiment pas la peine. On va capturer un rocher. Ou le 4 à côté de nous. Le 4 vert, ça nous aide beaucoup de notre côté. Ça, c'est sûr. Ça fait ça de moins pour nous voir capturer. Ça, c'est sûr. Ça fait surtout ça de moins pour nous capturer. On peut partir de notre 5 après ça, qui est plus une frontière, ouais, puis monter en fait comme ça. Ouais, par le 2. On le voit, il y a un petit pointy. Je pense que c'est notre. Mathématiquement, comme on voit, notre meilleur deal. Attendre encore. Ok. Alors on va. Ouais, on a le lit d'attaque, hein, c'est vrai. Mon Dieu. Ok. Ouais. Alors on a décidé qu'on voulait avoir l'avantage des minerais. Le rouge en bas de l'eau aussi. Pourquoi? Ah mon Dieu. Pourquoi le rouge est tellement pas important, le rouge? Parce que je veux ce continent là. Là, on est sur un minerai? On est sur un minerai, présentement. Okay. Prochain tour, on a la mission, en fait, on peut juste rester demain. Parfait. Il me semble que c'est ça. C'était 10 ou 12, il me semble. Un ou l'autre, on l'a. Ouais, un ou l'autre, on l'a. Ok. Ben, les chats. Ouais, les chats ne nous dérangeront plus jamais de ce côté-là. Ah, ça c'est pas fin, on a le lit d'attaque en plus. À 4 contre 1 qu'on perd. Hein. Ça va être le 4 qui va. Oui, avec le 4 d'attaque. Tu vois ton déplacement de là justement par la suite. Ouais, ça va nous donner au moins un. On peut pas déplacer rien plus que deux armées là-dessus. On fait pas des grosses défenses, hein. Je vais prendre le 3 qui est à côté de notre capitale, je te descendrai là. C'est celui qui est le moins utile. Mm-hmm. On n'a plus grand territoire. Il y a tellement d'affaires qu'on peut rapatrier, c'est dommage. C'est ça, bientôt là, on n'a pas été très non, chanceux. Ben oui, on a ça en plus. Moi, j'irais quasiment avec la crypte du trou noir. Pas qu'il vienne. Parce que lui, il a l'air de vouloir. Hein? Je l'ai quoi? Sa crypte. Il faut pas qu'il fasse des niveaux. Mais si c'est pas la crypte pantoute, je l'ai le minéré. C'est juste prévu qu'ils viennent nous attaquer. Mais bon, apparemment, on avait d'autres priorités. Là, ils sont obligés de passer par là. Là, il faut encore prendre la carte au bout. Non! On jouera jamais avec la défense David. C'est réglé. Tu m'écoutes plus, hein? Non, j'ai essayé de faire. Je pensais que c'était le hockey pour aller dans ce monde. Fait que là, on va avoir l'option de défense. Mais si on veut gagner, on peut pas le prendre. Je suis pas si réaliste que tu nous fais. On va être obligé de raser ça rapidement. Oh, ça va être cruel, ça. Ah, ouais, je pense que les gens vont de moins en moins souvent nous attaquer. Ça semble le continent haut, ben oui, c'est ça aussi. J'ai l'impression qu'ils visent de prendre le contrôle du. Ça aurait été intelligent. Mm-hmm. À sa place, j'aurais vraiment fait ça avec notre 13 dessus. Ça nous aurait forcé à l'attaquer. Ah non. Ok, il y a juste trois armées à mettre, t'inquiète, pas trop ça. Mais il va choisir sa capitale, clairement. Une armée pour aller chercher sa capitale. C'est pas un. C'est un no-brainer. On va aller chercher le 6 du vert. Ou du jaune. Là où le coup. Je dirais que. Est-ce qu'on sera en mesure d'éliminer? En fait, peu importe sur qui on se concentre, on est vraiment capable d'éliminer qui on veut. Ah, tu vois, ça c'est bien s'il commence à tasser le zombie de ce qu'on. Rouge, ça n'a rien éliminé, il n'y a pas de carte à cause. D'une façon ou d'une autre, on va vraiment tasser notre frontière au prochain tour. Si vous réalisez, en fait, le 4 rouge sur lequel il y a une ville, c'est la frontière de tout ce qui est à l'ouest. Ouais. Oh, wow! Mais tout ça sur un territoire! Ah, mais là, il en reste plus! Ah, mais là! N'importe quoi! Il n'y a même pas de dé de défense. Pauvre petit gars! Colin! Mais je suis quand même triste, je voulais y voler ces armées-là. Hein. C'était le fun. Bon, on va capturer les 6 jaunes. On y va dans l'ordre. Quand même plus. Et voilà! Oh, c'était peut-être 15 que ça prenait. Ça va commencer à nous torturer dans un tour. Ou au pire, arrête ça là.
enlève toutes tes armées de dessus, c'est juste la cruauté. Je suis pas fier de ça. Mais je te dirais honnêtement, à ce stade-ci, la game de défense, c'est moins utile que le d'attaque pour nous, parce qu'on va faire tellement d'armées qu'on convertit. Oh non, on l'a, finalement. On jouera une vraie game après. Ouais. Les études bonus. Avec on va pouvoir avoir comme 6 missions, ouais. Là, puis généralement, c'est le fun d'avoir toutes les médailles. Ouais, c'est drôle. Souvent, quand t'es rendu là, par contre, il te reste plus beaucoup de défis. Ah! Tu veux finir ça au PC? Je comprends ça. On va partir du 5, je pense. Lequel? Ouais, garde celle-là, puis testera avec ton 5 bleu que tu veux le 3 vert avant. Comme ça, ces unités-là pourront voir servir à quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Ça va venir toi ça. C'est pas un peu utile pour moi. Ouais, non, c'est ça. Pour ça, tu fais le bloquer. 9 pour en faire 4 avec les attaques, ça devrait être pas pire. Je vais faire ça. Ça. Le reste, techniquement, se fait d'un coup comme ça. Tu commences avec ton 5. Ah, pas grave. Je vais le promener un peu. C'est bon. Lequel, tu dis? Le 5. Le 5 bleu qui défend contre le 3 vert. Ouais, parce que si, après, tu peux passer à côté. C'est la seule façon dont il peut être utile. Ok. Prends ton 4 ici. Ouais. Avec le 2 rouge à côté, tu peux encore. Le 2? Le 3 peut encore essayer le 2 noir. Tu peux faire le 2 noir. Ah! Ben écoute, il a fait un peu plus que ce que je pensais. J'ai perdu quand même pas mal. Sais-tu que ça m'énerve pas tant que ça? Oui, on en perd à chaque fois. Même dans le fond, avec le 6 bleu, tu essaieras le 6 vert avant de monter dessus. On peut peut-être finir ça ce tour-ci. Hein. On peut très possiblement finir ça ce tour-ci, en fait. Ça, ce serait vraiment drôle. Oh, oh, yes. Là, faut que tu arrêtes là, par contre. Sinon, tu vas bloquer ton programme. Ouais. Malgré. Hein? Non, il n'y a pas de malgré, c'est ça. Mais comment on va prendre le 3? Hein? Ah avec oui, ton par ici, le 2. Plus. Ton 26? Non, je sais, c'est parce que je suis c'est lui qui faut que fasse ça ta job, en fait. Le heavy lifting, hein. Ouais. Laisse-toi un tour, ben. Ah, attends, on a maintenant 4 missions qu'on pourrait prendre. Le 3 mort. Il met des gens bientôt. Ou le vert, il reste juste un. Attends! Non, on y va par en bas, j'avais placé. Oui, mais c'est un safety en fait. Okay. Là, tu le sais pas, tu vas peut-être échouer avec ton 9. Ben là. Je parlais juste théoriquement par là. Ok, c'est pas vite. Encore là aussi. Y avait-tu quelqu'un qui avait une mission là-dedans? Le jaune a une mission, hein? Non, tu comprends pas. Quoi? Si tu élimines le jaune puis tu prends sa mission, tu finis la game. Hein? Ça me fait 3 missions accomplies. On vole les missions des gens quand même. On va parler dessus. Mais. On va garder un territoire du jaune. Ouais, c'est ça. Mais oui, t'as ton 13. Oui, non, c'est ça, exact. Fais juste pas attaquer. Non, c'est juste dans le but de tuer tout le monde. On veut que ça reste la paix après dans le monde. Pour qu'il y ait juste des Yétis. Ouais. 8 contre 2 puis 7 contre 1. Ça devrait être pas si pire. Et voilà. Et voilà, gars, vous voyez, la mission est apparue dans le vert 3ème en même temps. Clic! Ça pouvait pas être plus. Et voilà. Donc c'était le jeu, on s'en va vers la conclusion. On a déjà fait la campagne. Oui. Ça nous a pris une heure et quart. C'est vraiment court. Au moins par contre, il reste. Non, il n'y a pas de vidéo de fin. Il n'y a pas de vidéo de fin. Bon ben voilà. C'était la conquête du monde. Selon Risk Faction. Alors c'était Risk Faction la campagne.